Salut à toi et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène une fois de plus avec moi dans les rues de Strasbourg pour une sortie photo. J'ai décidé de me balader de nuit en plein centre-ville. Pour cette première photo, j'ai choisi d'utiliser une vitesse d'obturation assez lente, 1/5 de seconde, de manière à ne pas figer les mouvements du tram, mais de pouvoir quand même, grâce à la stabilisation du capteur, avoir une photo nette. Et réduire le plus possible ma sensibilité ISO. Je choisis de descendre ensuite pour avoir une vue en contrebas. Encore une fois, j'utilise la vitesse la plus lente possible, de sorte à avoir une photo nette grâce à la stabilisation et un bon maintien, pour avoir ma sensibilité ISO le plus bas possible et ainsi le moins de bruit possible dans ma photo. Alors que je regarde ma photo, je vois au loin des personnes sous le pont, je choisis donc de courir pour essayer une photo. Mais j'arrive un peu trop tard, j'arrive pas à soigner mon cadrage et je trouve pas le résultat exceptionnel. Après avoir remonté les escaliers et traversé la route, je remarque ce cycliste avec sa tenue rouge sur son vélo. J'ai voulu essayer de faire une composition avec le feu tricolore sur la droite et le panneau sens interdit sur la gauche, mais le résultat est pas super parce qu'il y a une personne sur la gauche qui gêne un peu la lecture. C'est la photo de rue, c'est comme ça. Je continue mon trajet, et puis je vois cette personne qui est devant cette boutique, très fleurie. Elle a rien de spécial, mais il y a pas mal d'éléments à l'image et je trouve ça joli. J'arrive ensuite dans cette ruelle, là je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette lumière, du coup je décide d'attendre. Et j'adore cette photo. Le fait que la personne se soit tournée en se demandant qu'est-ce que je pouvais bien photographier, ça ajoute une pose qui est pas tout à fait naturelle et ça ajoute vraiment quelque chose à la photo. Je continue dans cette même ruelle et j'aperçois quelqu'un dans mon dos. Je décide de me tourner très rapidement pour faire une photo et je pense que la personne a très bien compris quel était mon sujet. Je suis honnêtement très très content du résultat. Me voici une fois encore sur les quais. Et je vois mon ombre sur ce mur et je me dis que je vais attendre que quelqu'un passe pour essayer de faire quelque chose. Et là, il y a une personne qui s'arrête parce qu'elle me dit qu'elle va être dans le plan, alors qu'en fait, c'est tout ce que je veux. Je réalise donc cette première photo. Ensuite, je décide d'aller le voir et lui demander s'il voulait bien se prêter un petit exercice avec moi pour réaliser une photo. Il accepte et ça me fait très plaisir parce que j'ai pas vraiment l'habitude de demander ça à des inconnus. Une autre personne arrivait derrière, je me sentais un peu pressé, j'ai pas voulu non plus déranger la personne, donc j'ai fait qu'un seul essai. C'est un peu brouillon, c'est pas
exactement comment je l'avais imaginé, mais l'expérience était cool. J'arrive sur cette place et je vois devant cette personne à la table. Et je remarque pas tout de suite, mais il y a une personne encore au fond. Et elle va changer carrément l'intention de ma photo. On voit cette silhouette au fond et on voit cet homme qui est en train de regarder son téléphone et on peut se dire qu'il a manqué une occasion de rencontrer cette personne. Je trouve ça tristement rigolo. Une petite photo de l'hôtel Régent à la petite France. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'arrive sur cette place et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une lumière assez intéressante. Et je capture cette silhouette très longiligne et j'aime beaucoup. J'arrive au niveau de ce lampadaire et avec les pavés, je me dis qu'il y a une composition vraiment très intéressante à réaliser. Je décide donc d'attendre. La pose des deux personnes, elle semble vachement rassurée, lui semble vachement protecteur. J'adorerais leur offrir cette photo. Je continue ma route et je vois ce bâtiment. Et je décide d'attendre que quelqu'un passe afin de capturer une fois de plus une silhouette dans le paysage strasbourgeois. J'arrive ensuite devant ce restaurant et je vois que ces touristes s'intéressent à la carte. J'aime beaucoup les chaises devant, le fait qu'on voit à l'intérieur du restaurant et la personne sur la droite. Je décide ensuite de prendre une photo de cette rue qui est quand même très jolie, mais que je n'ai jamais su prendre en photo pour la mettre vraiment en valeur. Je trouve qu'encore une fois, j'ai vraiment pas réussi mon coup. C'est pas incroyable. J'arrive ensuite sur cette passerelle. Je vois une lumière et j'utilise tout l'espace sombre autour comme un espace négatif. Et j'arrive à faire cette série de photos qui me plaît beaucoup. C'est peut-être mes photos préférées de la soirée. Thank you.
Arrivé à ce passage piéton, je décide de m'abaisser et de tenter une photo en contrebas d'un cycliste qui passe. Je trouve ça intéressant parce qu'il me regarde. Je trouve ça pas très intéressant parce qu'il y a une voiture derrière et que ça gêne un peu la lecture de la photo. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment en la regardant. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.